Chasing a dream, I don't know what sleep is. I got a queen, she lent me the evening. She ripe like a peach and she snapped me the snippet. You well overdue for that link up in person. Text me to fall through, it's murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cut throat from the low low, when no love goes. Women buddy buddy like it's been dad. Respect each other, treat people with respect, then we'll become a family. Yelling doesn't solve anything. You pour gasoline on fire, it's not gonna work. Remember that. Love the person to your left, love the person to your right. Even if it's hard to do, you can do it. Champion à l'international. Ça c'est une équipe qui remplit à général. Ouais. On y va, on y go? Oh, ouais. Ok. Ça fait pas ça. On rajoute son bloopers. Yes. Donc, what's up tout le monde? Bienvenue à It Story Live. C'est notre 19e épisode. Et si c'est la première fois que vous nous voyez, History Live, c'est un podcast hebdomadaire dans lequel que je reçois des gens qui m'inspirent et qui sont dans toutes sortes de domaines, divertissement, créativité, technologie, des affaires. Donc, mon nom à moi, c'est Yuri, a.k.a. Naufrage. Je suis très content aujourd'hui parce que j'ai des invités que je considère comme des grands frères d'inspiration en termes d'accomplissement et en termes d'énergie. Donc, mon premier invité, c'est Ainsley Bien-Aimé, a.k.a. Black Voodoo X, Voodoo Rendez-Vous. Yes.
Mais man, merci beaucoup d'avoir dans ton émission. Là, je suis excité. Quand tu parles de grand frère, moi, je vois le petit frère qui est toujours la version 2.0. C'est vraiment inspirant tout ce que tu fais, Yuri. Toutes les années avec Rain Man et tout ça, mais te voir évoluer comme ça, là, c'est inspirant. Ça me donne le coup de continuer, même si avec ma vieillesse est au rendez-vous. Mais tu sais, on dirait que l'âge, là, comme c'est quelque chose, on abstrait, on met ça de côté. Tu sais, puis c'est la passion qui nous anime, hein, avant tout, là. Absolument. Tu sais, on a des challenges. Tu sais, c'est une année qui n'est pas facile pour personne. Et tout ça, mais tu sais, à travers ces challenges-là, on réussit à avoir des accomplissements. On voit des frères aussi qui font des accomplissements. Ça nous dit, OK, ben, ça veut dire que moi aussi, je suis capable. Et puis, c'est comme ça, là. On grandit comme ça, là. Ah, t'es tout à fait d'accord. La synergie de voir tes frères, tes soeurs, de grind, de ne pas abandonner, puis de poursuivre malgré les difficultés, les obstacles, ça te donne le coup de continuer. Comme tu l'as si bien dit, on oublie l'âge à un moment donné parce que la passion nous allume, puis la passion nous anime. Yes. Donc, je sais que toi, tu fais beaucoup d'entrevues, comme moi-même, j'ai passé à Voodoo Rendez-vous. J'aimerais ça que tu fasses une petite introduction, que tu expliques un peu tout ce que tu fais, parce que je sais que tu fais vraiment beaucoup de choses différentes. J'aimerais ça que tu fasses un petit parcours de pas mal ce que tu fais. Ah, ben merci beaucoup, écoute, de me donner cette fenêtre-là. Puis oui, effectivement, quand tu me poses la question, c'est là que je réalise mais par quoi je commence, qu'est-ce que je fais exactement. Mais encore une fois, tout ce que je touche, c'est par rapport à la passion. Une des premières plateformes que je touche, c'est les rendez-vous du Voodoo. Puis effectivement, une de mes entrevues mémorables, c'est celle avec toi il y a quelques années. C'était une de mes premières, puis elle est encore très, très frappée à mon cœur. Donc, en fond, quand je rencontre des personnes dans mes rendez-vous de Voodoo, c'est pour trouver leur moment passionnel, le moment où est-ce que leur passion est devenue leur réalité du quotidien. Donc, c'est d'aller dans un peu up close and personal, puis découvrir la personne derrière l'artiste, derrière l'entrepreneur, derrière l'activiste. Donc, ça, c'est une des premières choses que je fais à la plateforme des rendez-vous du Voodoo qu'on retrouve partout, YouTube, Facebook, Instagram. Ça, c'est une plateforme qui me tient à cœur énormément. Une deuxième chose que je fais, c'est que je fais partie du conseil d'administration du Fonds 1804. Parce que c'est bon d'être entrepreneur, c'est bon d'aller chercher des façons de trouver des sous, mais moi, j'ai toujours été un prophète de redonner au suivant. Et je me cherchais une cause depuis plusieurs années, et lorsqu'Edouard Stacou m'a frappé à la porte, qui est le président du Fonds 1804, il m'a dit « Écoute, si tu as une énergie, je pense que tu pourrais être inspirante auprès des jeunes. » Je dis « OK, quel type de jeunes? » Il dit « Mais des jeunes persévérants. » Et souvent, lorsqu'on est à l'école, puis que les jeunes qui sont reconnus, c'est les jeunes qui ont les grosses notes, les A+, et souvent ceux autres qui ont les bourses. Et le Fonds 1804 s'est dit, on va reconnaître la ethnoculture, le côté ethnique de nos jeunes, pas seulement les Noirs, ça peut être Chinois, Aborigènes, ou peu importe, on va souligner les efforts des jeunes. Parce que souvent, les jeunes alentours, ils n'ont pas nécessairement les fonds, l'argent pour poursuivre dans les écoles, mais ils ont des parents qui travaillent fort. Et moi, quand je parle de parents qui travaillent fort, je pense à ma mère, je pense à mon père qui était chauffeur de taxi, ma mère qui était infirmière, puis qui ont toujours cherché dans le fond de leur poche pour donner des sous. Donc, pour moi, c'est important de redonner souvent. Puis le Fonds 1804 me donne cette belle fenêtre-là, puis j'en suis très, très, très reconnaissant. Ça demande beaucoup de temps, mais quand tu vois que les jeunes souriants, puis leur moment, quand ils reçoivent leur diplôme, qu'ils reçoivent leur bourse, écoute, Yuri, ça n'a pas de prix. Écoute, ça, c'est vraiment wow. Une de mes dernières associations, écoute, je fais tellement de choses, c'est l'équipe Belle Garçon. Écoute, yes. Moi, regarde devant moi, là, Hit Story. Moi, quand je passe un Belle Garçon, je vois Yuri. You know? Mais blague à part, écoute, Belle Garçon, c'est une entreprise qui a été fondée par mon grand ami Ralph Jusma. Ça fait 6 ans qu'il travaille fort au niveau de l'événementiel. Il a fait sa marque au niveau de l'événementiel, au niveau du compas, au niveau du qu'on appelle le Big H, la communauté haïtienne à Montréal. Mais ce que j'aime beaucoup de Rêve, c'est sa personnalité, son désir de redonner au suivant. Donc, quand il m'a approché, il m'a dit, écoute, Anthony, avec ton énergie, je pense qu'on pourrait faire quelque chose d'intéressant. Écoute, la connexion s'est faite live and direct. Puis la première chose qu'on s'est dit, c'est avec le COVID, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des moments qui sont difficiles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un wow au niveau de la communauté, puis un wow qui serait utile. Je rejoins l'utile à l'agréable. On a juste pensé à des masques belles garçons, parce que là, avec le masque, là, les dames sont cachées. Les garçons peuvent faire du vagabond parce qu'ils peuvent bien se cacher. You know? Fait que c'est tant qu'à se cacher, on va faire un bel garçon. Puis je t'offre une primeur, Yuri, aujourd'hui, live and direct. Ça ne s'est pas vu nulle part sur aucune plateforme. On lance la ligne Belle Femme cette semaine. Donc, écoute, Yuri, à Hit Story, il y a toutes les primeurs, mais on a une live and direct. Belle garçon et belle femme, ensemble cette semaine, ça sort live and direct. Je ne te donne pas plus d'informations, mais en bout de ligne, une des choses qui était pour moi chez Belle Garçon, vous allez apprendre à voir dans les prochains mois, les prochaines semaines, c'est que
on va aussi toucher le côté philanthropique. C'est-à-dire qu'on va ouvrir une fondation. Je ne donne pas trop de détails là-dessus, mais c'est pour aider les personnes dans le besoin. Encore une fois, c'est multi-ethnique. Donc, toutes les familles qui ont des besoins particuliers, des jeunes qui ont des parents qui ont beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à rejoindre les deux bouts, nous serons là pour les supporter. Éventuellement, je te parlerai plus en détail, mais ça fait partie un peu des projets que je touche présentement. Puis le dernier que je veux vraiment souligner, puis je souligne Noli Imprévert, qui est une fille avec qui je travaille énormément dans les talents cachés. Et les talents cachés, tu vas voir le lien avec ce que je fais dans mon quotidien, c'est que les talents cachés, c'est qu'on va aller rechercher des entrepreneurs comme toi, Yuri, qui font des choses extraordinaires et qui n'ont pas nécessairement la vitrine ou la visibilité. Là, ce n'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Hit Story, puis on voit Yuri, écoute, c'est naturel, là. Tout le monde sait que tu fais des affaires extraordinaires. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font des choses « wow », qui font beaucoup de choses bouger dans le underground, puis que nous, ce qu'on veut faire avec les talents cachés, puis bravo à Noli qui fait un job extraordinaire, c'est de faire ressortir leurs talents et de les faire connaître au sein de la communauté, pas seulement la communauté haïtienne, la communauté black, mais la communauté montréalaise, québécoise, voire nationale. Donc, c'est plusieurs projets que je touche, et j'aime me garder actif, j'aime me garder mon mind toujours up to point. Mais quand je regarde encore une fois des gens comme toi qui sont inspirants, qui sont entrepreneurs, ça me donne le goût de ne pas arrêter. Mais dis-toi qu'en ce moment même, on est en train d'assister à un voodoo moment pour moi, okay, parce que je suis très flatté de tout ce que tu me dis, puis c'est très encourageant. Tu sais, c'est pas facile des fois, de temps en temps, donc comme je trouve ça très bien, là, c'est une bonne tape dans le dos. Thanks, man, appreciate it. Félicitations puis, pour ton move aussi avec Belle Garçon, puis Héroldi Couture, c'est vraiment, vraiment major. Puis je sais qu'il y a justement $1 qui va justement à la cause que tu parlais, fonds 1804 pour la persévérance scolaire et la réussite éducative. Oui. Exactement. Donc, $1 pour chacun. Ça, c'est important, Yuri. Tu vois, comme je te dis, je rejoins l'utile à l'agréable. C'est que moi, je cherche toujours à trouver des synergies. Donc, c'est sûr que sortir d'un masque, je vais sortir le masque ici. Attends, je vais... Yeah. Faut que je montre mon produit. Avec you know, style. It looks bien, ça. It looks good. Oui. And it's comfortable. Mais oui, moi, je pense... Dire, Yuri, on va chercher des sous, mais les sous, pour nous, ce n'est pas nécessairement pour se remplir les cloches. On prend chaque dollar vendu, chaque masse vendue, $1 va au fonds 1804. Donc, c'est important pour moi que les jeunes disent, wow, ils ne sont pas juste là pour un événement annuel du fonds 1804, mais ils sont là dans chacune de leurs actions, ils pensent à nous. Donc, nous, quand on est à l'école, on va continuer, on va persévérer parce qu'on veut devenir des personnes qui vont changer le futur. Donc, c'est une des raisons, une des valeurs profondes du fonds 1804, pas du fonds 1804, mais de l'entreprise Belle Garçon. Et c'est pour ça que j'ai embarqué avec l'équipe de Rêve, justement. Puis je vous remercie beaucoup, Rêve, de cette belle opportunité. Ouais, ben je pense que c'est important aussi à travers ce qui se passe de garder le style aussi, là. C'est une bonne opportunité. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui flash comme ça avec les styles de masques, plein d'originalité qui ressort. Puis moi, je suis convaincu qu'avec un masque Belle Garçon, il n'y aurait même pas de manifestation anti-masque. Parce que les gens voudraient rock le masque, là. C'est ça. I love it. Comment on peut s'y procurer ces masques-là? Oui, effectivement. Donc, vous allez directement sur le site de www.heroldicouture.com. Et là, ce que vous allez voir une demoiselle avec un masque, mais la première grosse bannière, ça va avoir quatre gros négros, un garçon avec le masque. Cliquez là-dessus, vous pouvez choisir des masques. Chaque masque porte le nom des membres de l'équipe Belle Garçon. Donc, vous avez un BG Ensley, un BG Ralph, un BG Stéphane et un BG Jacques. Okay. J'avais entendu dire, OK, corrige-moi si je me trompe, qu'auparavant, way back, tu avais été dans le monde du hip-hop. Là, tu me ramènes loin. Tu vois, l'énergie que tu vois là présentement, là, merci de me rappeler de bons souvenirs. Ça fait longtemps, fin des années 80, début des années 90. J'étais très actif dans la scène hip-hop. Puis je sais que tu as rencontré Dice B un peu plus tard. On a été à la même polyvalente. Puis je me souviens encore Dice avec ses shows hip-hop. Puis je regardais, je dis, chat, moi aussi j'aimerais ça prendre le mic. Mais je ne sais pas si j'ai le talent nécessaire pour le faire au secondaire. Puis avec, je pense que ma personnalité, je n'étais pas nécessairement le meilleur rappeur, le meilleur rhymer, mais je pense avec ma personnalité, puis comment je ressortais sur la scène, ça a quand même frappé la scène hip-hop. Puis avec le groupe IQ Production, avec le cerveau, les gars de Couchetard vont s'en souvenir, avec Billy, tout le monde était là, puis on avait... Avec les moyens du bord, avec des petits 25 cents qu'on avait dans nos poches, on allait dans les studios, on s'enregistrait. C'était pas aussi facile que c'était aujourd'hui,
Mais pour moi, le hip-hop, là, dans tout ce que je fais dans mon quotidien, à l'école, dans mon côté professionnel, le hip-hop fait partie de ma vie. Donc ça, jusqu'à la mort, je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter de chanter, mais même dans ma douche, même dans le sous-sol, je prends le mic, je rhyme, je pense si fort que les gars comme toi ou bien les nouveaux talents de la nouvelle génération, mais pour moi, c'est important de continuer et de vivre hip-hop. Shit. Ah, mais c'est bon, j'ai des bonnes primeurs d'informations, là, dans ton temps. Mais oui, mais oui. Et je vais te donner une autre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, Yuri. J'ai fait partie d'un groupe qui s'appelle Resisting Arrest. Puis Resisting Arrest, c'est du trash metal. Quand je dis trash metal, ce n'est pas du Guns N' Roses, là, c'est du trash metal, speed metal. Puis j'ai fait un album avec eux en 1995. L'album, je te dis, a tellement été vendu, a tellement été populaire, que le groupe Pantera en Europe est venu nous chercher pour aller faire leur première dans leur tournée d'Europe. Mais tu sais quoi? J'ai vécu une des plus grosses parties de racisme que j'ai jamais vécu dans ma vie. À ce moment-là, quand ils sont venus me voir, le rappeur du groupe, et on dit, écoute, vous êtes talentueux, on vous voit partout, on est dans tous les magasins en Europe, on aimerait vous emmener avec nous en tournée. Par contre, le rappeur que vous avez là, qui est un noir, on ne le veut pas sur la tournée. Juste des blancs. Ça, c'était pour moi le côté qui est venu me chercher, côté raciste, ouais. Que je savais qu'il était présent, mais que je n'avais jamais vécu. Et là, à ce moment-là, ouais. Quand je l'ai vécu, ça m'a vraiment fait un gros danger. Parce que je me dis, je fais du speed metal, du trash metal, je sors de ma zone de confort, j'ai du succès ici au Québec. Puis là, j'ai un groupe que j'ai toujours eu du respect, mais qui arrive, qui dit, toi, je ne te veux pas parce que tu es noir. Man, Yuri, ça a été difficile. Je m'en suis sorti, mais pendant plusieurs années, ça m'a fait très, très mal. Ouais, je te comprends très bien, man, à propos de ça. Regarde, on va aller en bloc vidéo, puis après, on va justement parler de hockey aussi, et puis d'autres activités que tu fais, dont par exemple, l'importance de la présence d'un père dans la vie des enfants, papa impliqué en famille. Oui. On va parler de tout ça juste après le petit break. All right? Yes, sir. Yes. J'ai pesé stop, faites mon vœu pour un renouveau. Tout soit rénové, la rue nous veut. On survole la ville, à vue d'oiseaux, free as a bird. On parcourt les milles, nos années passent. On a des fils, puis des neveux. Brave heart, courageux, on fait ce qu'il faut. Qui tue par le feu, périt par le feu. Here we go, puis ça continue. Nos accents dans les règles de large. Ce nouveau jour, c'est juste un autre dollar. Nos noms sont gravés dans la métropole. On est entré dans le pays avec le meilleur album. On est passé proche, sûrement faut dire c'était pas notre heure. On fait de la musique de merde pour mieux gérer notre douleur. J'suis un jeune vétéran, sauf j'suis plus tanné qu'un autre. J'suis pas un gars du peuple, mais j'suis pas mieux qu'un autre. Ceux qui nous connaissent bien disent qu'on est des gars bien relax. Sans vacances, jour après jour, on fait notre bus sans relâche. C'est maintenant, pas demain, sinon c'est jamais. On va jusqu'au bout. C'est pas juste les bouches qui parlent, des gosses te communiquent, mon gars. Va jusqu'au bout. De ton rêve, de ta route, de ton succès, mon gars. Continue de pousser. Parce que le monde t'appartient, avec tout ce qu'il y a dans mon gars. Avec le rap, c'est comme ça qu'on s'insère. Qui te connaît, qui garde des verses profonds, puis sincère. Tout ce qu'on dit sur track, c'est vérité. On continue de faire ça avec ses vérités. Armageddon, c'est encore là qu'on est rendu. Le game te rend doux, nous autres on prend dur. Ils pensent qu'on joue un jeu. Personne va mettre nos gars dans joue en jeu. On fait ça sérieusement. Rap de vertige, on le fait périlleusement. Tu crois vraiment qu'on y est? En train de pousser, c'est là qu'on y est. J'essaie pas de changer de sujet. Du game, j'ai pris le cop, puis je me suis jeté. De retour, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs. C'est maintenant, pas demain, sinon c'est jamais. On va jusqu'au bout.
C'est pas juste les bouches qui parlent des gosses te communiquent, mon gars. Va jusqu'au bout de ton rêve, de ta route, de ton succès, mon gars. Continue de pousser, parce que le monde t'appartient, tout ce qu'il y a dans mon gars. Va jusqu'au bout. C'est trop décent. 13 novembre? Hey, 13 novembre? Pourquoi Rayman fait pas un autre Armageddon pour de vrai? Écoute, on caca. Net, on est en 2007, mon gars. Ah oui, quelque chose comme le 13 ou le 12 novembre. Pour, parmi nous, tout le monde, juste avant de réentamer la discussion avec mon invité, Voodoo X, je veux juste vous donner un petit update sur la plateforme It Story. Donc, on est en production avec le duo Mademoiselle, puis on est en train de tourner leur clip. Le single qui découle de vos votes, ça va s'appeler Killer Eyes. C'est réalisé par Domino Gray, puis j'ai bien hâte à vous présenter ça. C'est du bon visuel avec des bons des effects. Donc, c'est très spécial. Là. On va vous présenter ça dans quelques semaines. Et en attendant, il y a leur single Munchies, réalisé par DG's Films, qui va sortir aussi très, très bientôt. Yes! Donc, juste avant d'aller en bloc vidéo, on parlait d'une activité que tu as faite pour souligner la présence des pairs. Je pense que c'est le 23 juillet qu'il y avait eu un événement, hein? Ouais, non, c'était le 9 juillet dernier. OK. Puis, salut Jimmy Dennis, qui a organisé ça avec le BCHM, le Bureau de la communauté haïtienne de Montréal. Yeah. C'est important, c'est une communauté que Jimmy appartient, on est un petit groupe. Je me suis pas joué au début, mais plus avec le temps, on m'a parlé de ce groupe-là. Puis c'est un groupe qui permet à des pères de différentes régions, différentes réalités, des divorcés, des séparés, des mariés depuis plusieurs années, à se rencontrer et à s'ouvrir et à échanger sur leur réalité avec leurs enfants. On ne parle pas nécessairement des relations avec nos conjointes ou nos blondes ou quoi que ce soit. On parle vraiment de leur relation de père avec son enfant. Dans la communauté haïtienne, lorsqu'on était jeune, puis la relation avec nos pères était toujours un peu plus autoritaire. Le père, c'est « tu fais ci, tu fais ça, tu marches à gauche, tu marches à droite ». Et nos parents, on a grandi avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Donc, on essaye de changer cette façon de faire avec nos jeunes, parce qu'on réalise que sans cette discussion-là, sans cette ouverture-là, on répète peut-être les mêmes erreurs que nos parents ont faites. Et on ne pourra jamais blâmer nos parents parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, ils ont appris de leurs parents. On essaye de casser cette séquence-là pour permettre à s'ouvrir, à devenir vulnérable devant nos enfants. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les discipliner, mais c'est juste d'approcher, avoir une meilleure communication avec eux. Et cette plateforme-là, on se rencontre une fois par semaine, est vraiment, vraiment, mais je te dirais, si tu as la chance, si tu as l'opportunité d'embarquer sur cette discussion-là, ça n'a pas de prix. Parce que des fois, tu réalises qu'il y a certains... Tu penses que tu vis une situation, tu es le seul à la vivre, et en échangeant avec des autres pères, tu réalises que il y en a plusieurs qui vivent la même chose que toi. Et des fois, ils vont te donner des trucs que tu vas pouvoir prendre, que tu vas appliquer. Puis la semaine suivante, tu dis « Hey, je sais ce que tu as fait, James. » Et puis quand tu m'as dit de faire telle affaire, j'ai parlé à mon gars, puis « Hey, c'est ouvert, c'est super cool. » Fait que tu vois, c'est des genres d'échanges qu'on a chaque semaine. Donc, on a fait notre première rencontre en personne chez moi. On a fait un barbecue. Okay. Je l'ai pas trop fort, on est juste entre deux, il y a personne qui nous entend. Hein? On était à plus que 10 personnes, j'avoue. J'ai abusé. J'avais le stress total, mais ça valait son pesant d'or parce qu'on a fait des discussions qui n'ont pas de prix, qui valent $1 million. Encore une fois, merci au BSCHM, puis merci à Jimmy Dennis là-dessus. OK, nice. Mais c'est quoi qui t'a poussé à encourager ces causes-là? Parce que c'est des causes vraiment profondes, hein? Comme ce que tu as mentionné, le fonds 1804, comme la famille, etc. Tu sais, c'est de la façon que je décrirais ça, là, c'est des choses qui sont tellement importantes sur toutes les futures générations. C'est quoi qui t'a poussé à disons, endosser ces causes-là? C'est comme je te disais un peu au début, il y a une épiphanie à un moment donné dans ma vie, c'est peut-être avec le fait que j'ai mon plus vieux, il y a 26 ans, donc je l'ai eu très, très jeune. Okay. Donc, j'ai fait du mieux que je pouvais pour l'élever. Okay. Aujourd'hui, c'est tellement un bon garçon, c'est tellement un gars qui a un bon cœur, mais j'aurais pu rapidement... Et quand j'étais jeune, je m'en occupe pas, d'attitude. Puis j'ai réalisé qu'il y avait la fine importance dans mon cœur de redonner au suivant, de m'occuper de ma garçon. Je sais que je fais des erreurs, je suis pas parfait, mais je me donne à 250%. Donc, le fait que je m'occupe de mes garçons, mais après, je me suis dit, quel footprint que je peux laisser à la communauté? Est-ce que c'est de donner de l'argent? Est-ce que c'est de participer à des spectacles? Je me suis dit, ça la valeur ponctuelle. Moi, je veux une valeur qui va avoir une pérennité. Donc, je veux enseigner mes connaissances. J'ai la chance de fréquenter plusieurs sphères
professionnel d'entrepreneuriat. J'ai travaillé dans des grandes entreprises, que ce soit québécoise, haïtienne, américaine, même européenne. Je veux redonner cette opportunité-là à les jeunes parce que les jeunes ont besoin de mentors. Les jeunes ont besoin de father figure. Il y a beaucoup de jeunes qui ont sont monoparentales. Les mères sont présentes, mais les pères les ont abandonnés. Donc, pour moi, de pouvoir leur faire sourire, leur donner un petit coup de pouce, leur donner une tape sur les épaules, c'est la passion qui m'allume, c'est la passion de redonner le suivant qui fait que je m'engage dans des causes comme le Fonds 1804, même les pères impliqués, comme on vient de se parler. Donc, toujours de manière positive, sans rester dans la plainte, dans tout ce qui pourrait être vu comme négatif qui se passe dans la société, on fonce vraiment cap vers l'avenir. Puis tu sais, ça me fait penser aussi à l'émission que tu faisais, Génie en web, que j'ai bien aimé participer. Oui. Tu sais, c'était en début de COVID aussi, puis tout ce que tu vois dans les médias sociaux, c'était très négatif, dans les nouvelles, etc. Mais là, on était vraiment comme... tout le monde voulait gagner, là, c'était très compétitif, puis tout ça. Donc, c'était quelque chose que je trouvais très, très bien aussi. Donc, j'aime beaucoup cette mentalité-là. Tu étais bon aussi, Yuri, là. C'est dommage que tu n'as pas pu te rendre jusqu'à la fin, mais tu étais un joueur averti, puis vraiment, tu étais dans la game. C'était intéressant, puis tu étais vraiment assidu, puis je te remercie d'avoir participé à cette émission-là. Tu fais l'une des raisons pour laquelle ça a été un succès, c'est grâce à toi. Ben, j'avais des bons coéquipiers aussi. Hein. Il y avait Outra qui était avec moi. Il y avait l'autre justement de la première saison. Puis tu sais, nous, ça nous donnait une bonne cohésion aussi. Ça nous donnait une raison de se rassembler puis de travailler ensemble. Ça nous sortait de notre zone de confort aussi. Donc, j'ai bien aimé participer dans l'exercice. Là. Oh, vous allez bien faire du cœur. Yes. Donc, toi, comme je disais plus tôt, tu as une passion qui est très contagieuse. Et tu sais, la question que tu demandais par rapport à, tu sais, c'était quoi la passion pour nous? J'aimerais ça te retourner la question. Toi, dans tes différents métiers, dans tout ce que tu nous as mentionné que tu faisais, et même, je rajouterais un de plus parce que j'ai vu que tu étais aussi Process Improvement Manager. Oui. Ça, c'est mon gagne-pain. Là. Ça, c'est ma matière de tous les jours. Mais je suis sûr que tu es passionné aussi là-dedans. Okay? Ouais. Je suis sûr que tu es passionné dans pas mal tout ce que tu fais, même si c'est sûr que il y a différentes choses qui viennent te chercher dans chaque. J'aimerais ça que tu me dises c'est quoi les affaires que tu trouves intéressantes dans ces différentes sphères-là de ta vie? Oui, je trouve que c'est une très bonne question parce que souvent, on se pose la question, est-ce qu'on fait ça pour l'argent, pour quelle cause, pour quelle raison on le fait? Moi, ce qui m'intéresse, qui est très important pour moi, même au travail, mon côté professionnel, l'amélioration des processus, c'est de toujours pouvoir prendre mes compétences, mes qualités, mes forces, le donner au suivant et de voir le suivant, la personne, que ce soit un enfant, un adolescent, un jeune adulte ou un plus vieux, même quelqu'un de mon âge, même plus vieux, de le voir s'améliorer. De le voir revenir, me voir, dire, écoute, les trucs que tu m'as donné, puis l'encadrement que tu m'as offert, m'ont permis de devenir une meilleure personne. Puis pour moi, c'est une façon de dire, tu sais quoi, si je peux changer une personne, puis cette personne-là devient un contributeur extraordinaire au sein de la communauté, ben lui va devenir contagieux au sein de sa sphère de travail, sa sphère familiale. La même chose avec toutes les autres que j'interagis. Donc, ce qui m'allume, qu'est-ce qui la flamme à l'intérieur de moi, c'est de pouvoir prendre mes compétences, prendre ce que j'ai acquis au cours des dernières années, puis le donner gratuitement à la personne avec qui j'interagis. Je suis pas une personne qui cherche à profiter des gens. Souvent, ma blonde me dit, ben, tu sais, des fois, tu peux penser à toi. Je dis, mais oui, mais moi, en faisant ça, je pense à moi parce que je sens que ça fait du bien à la personne. Si la personne se tourne le bord, me dit, hey, wow, Anthony m'a aidé de cette façon-là, mais moi aussi, je vais aider d'autres personnes de la même façon. Ça va devenir viral. C'est comme ça, j'y crois. Peut-être que je suis naïf. Mais je sais que ça m'a toujours permis d'être aussi souriant, aussi passionné, malgré l'âge que j'ai aujourd'hui, l'âge avancé. Je sais que mon temps est presque terminé. J'aime pas ça dire ça, mais c'est la réalité. Mais je me dis, si ça peut permettre à quelqu'un d'avancer, c'est ce qui m'allume et c'est ce qui me passionne. Moi, je pense que tu as encore vraiment, tu n'as même pas encore atteint la moitié de tout ce que tu vas faire et tu as déjà accompli beaucoup de choses. Puis une chose que j'entends à travers ce que tu dis, c'est que tu sais, c'est du coaching que tu fais dans un sens là. Tu sais, il y a beaucoup de manières qu'on pourrait appeler ça. Puis, tu sais, c'est très enrichissant de coacher des gens. Tu sais, autant que toi, tu leur apprends, tu leur transmets de l'énergie, ils te donnent de l'énergie aussi, puis ils t'apprennent des choses sur toi aussi. Donc, je comprends très, très, très bien ça. Ouais. Très bien, et puis, Team IT, là, en juin 2015, vous avez battu, c'est quoi le nom de l'équipe? Cayman Island? Les îles Cayman, oui, les îles Cayman final. OK. Et puis, c'était en Suisse, hein? En Suisse, mon Dieu. Écoute, Yuri, on pense, les gens, quand ils ont vu arriver, là, tu sais, les Haïtiens, on a du soir, on était tout bien habillés, les soutes rouges. Les gens pensaient qu'on allait faire le halftime show, un show de breakdance. Tu vois comment les gens ne respectaient pas, hein? Puis, on est arrivé dans leur terrain, dans leur sport, on leur a volé, on a gagné la victoire, on a gagné le championnat mondial. Mais
une des choses qui m'a le plus allumé par ce championnat-là, c'est pas simplement de dire que, bon, on a gagné, on a une médaille au niveau du hockey, mais c'est tout le raisonnement au sein de la communauté haïtienne à Montréal, la diaspora aux États-Unis, en Haïti. Quand tu penses que nous, on a marqué l'histoire, qu'on est la première équipe dans un événement international qui gagne un match, je peux dire quasiment semi-professionnel, pour son pays qui est Haïti, ça, la Yuri, ça n'a pas de prix. Et lorsqu'on a gagné ce championnat-là, je peux te dire, tous mes frères, là, tous mes frères de sang, que j'appelle mes frères de sang aujourd'hui, on a tous pensé à nos parents. Tous les sacrifices que nos parents ont fait, tous les sacrifices qu'ils ont donnés pour nous permettre de prendre un bâton puis de jouer au sport national ici au Québec, puis de retourner à l'extérieur puis d'aller gagner un championnat, ça n'a pas de prix. Je peux juste te partager, je ne sais pas si j'ai le temps de partager. Oui, ça vient me chercher, c'est très émotionnel. Mon père m'a toujours dit, lorsque je suis parti d'Haïti en 70-71, puis je suis arrivé ici au Canada, à l'aéroport, j'avais 20$ ou 200$ dans mes poches, and that's it, puis il n'y avait personne pour m'accueillir. Je suis arrivé dans un pays dans le froid, puis j'ai dit, je vais me battre pour donner un futur à mes enfants. Et lorsque nous, on a gagné en Suisse en 2015, puis on est arrivé à l'aéroport de Montréal, le même aéroport que lui est arrivé en 71, mais lui, c'est à Mirabel, je crois. Il m'a regardé, il avait les larmes aux yeux. Je ne comprenais pas pourquoi. Je suis allé voir, je dis, pas, je suis là. Il m'a regardé avec les yeux, il dit, je suis fier de toi, mon gars. Je suis fier de toi. Puis là, j'ai comme allumé. Puis il m'a dit, tu sais quoi? Moi, quand je suis arrivé, c'était pour donner un futur à mes enfants. C'est pour donner une opportunité à mes enfants de réussir dans un pays libre. Et là, aujourd'hui, je vois mon fils qui quitte un pays externe pour revenir dans un pays avec la gloire et une médaille pour son pays, Haïti, ses origines. Ça me fait tout le plaisir du monde. Quand je regardais les yeux de mon père, les yeux rouges, mon père qui pleure jamais, qui est comme l'homme le plus solide au monde, c'est venu me chercher. Puis encore une fois, c'était le moment voodoo pour moi de dire, tu sais quoi, je vais redonner le suivant. C'est bon, man. En tout cas, je te félicite pour ça. Puis je te remercie aussi, là. C'est très, très inspirant. Puis c'est ça. C'est, en fait, là, c'est les raisons pour lesquelles qu'on le fait, c'est de transmettre le legacy, tout simplement. C'est comme il y a un legacy que nous aussi, on a reçu, puis on le transmet, c'est la continuité, c'est le mouvement qui continue, puis qui n'arrêtera jamais. C'est ça, hein? Puis tu vois, tout à fait ça, puis Yuri, tu sais quoi? Moi, ce que je suis en train de te parler, toi, c'est ce que tu es en train de faire avec ton Hit Story. Tu es en train de connecter des bâtisseurs musicaux avec des écrivains, créer une communauté, puis tu lègues ton expérience, parce que toi, tu as toute une expérience sur la scène musicale, sur la scène artistique. Et là, ce que tu fais chaque semaine, et même des choses que des fois, les gens ne savent même pas au niveau du côté IT, t'es quelqu'un qui est, comme j'allais dire, une sommité, tu donnes au suivant. Fait que moi, ça, quand tu m'as demandé l'invitation, je n'ai même pas posé de question. J'ai dit, j'embarque parce que Yuri a la même file entrepreneuriale que la mienne, c'est de redonner au suivant. He's a successful man, and I'm so proud to be on that show today. Ah, mais thanks, man. Thanks d'avoir accepté ça, là. C'est quelque chose que j'oublierai jamais. Donc, c'est bon. All right, on s'en va dans un autre bloc vidéo, puis après ça, je t'invite à rester avec nous. On va avoir Dice, si tu as le temps. On va poursuivre la discussion avec lui. Donc, on va en vidéo tout de suite. C'est Saint-Pierre. C'est Jax, Escape MTL. This is your boy Danny Braz. Ici Cyrus. C'est Jack Boy. Vous êtes sur couchetard.com. Vous êtes à couchetard.com. 24/7aweek.com, bitch. Couchetard.com, c'est l'équipe à suivre. That's it. Monte un peu le volume déjà, s'il te plaît. S'il te plaît. Yeah. J'entends pas bien. Là, c'est ton micro. Ok. Yeah, yeah, yeah. Yeah. La tête dans les nuages, c'est pas la vie. Garder les pieds sur terre, c'est ça ma vie. Yeah. Même si j'ai échoué mon cours d'économie. Yeah. J'ai quand même su faire des économies. Yeah. La tête dans les nuages, c'est pas la vie. Garder les pieds sur terre, c'est ça ma vie. Même si j'ai échoué mon compte d'économie, j'ai quand même su faire des économies. Sensible à l'amour, mais aime la violence. Vite au châtiment, redoute l'impotence. Aime le quartier, pour toi c'est important. Car ils t'ont vu grandir, voler ton innocence. Tu lui chantes la pomme, séduit par le serpent. La réussite est pas au rendez-vous, on va se reprendre. On donnera pas d'excuses tant qu'à se faire prendre. Ils veulent qu'on s'incrimine, qu'à se faire pendre. Yeah. La tête dans les nuages, c'est pas la vie. Garder les pieds sur terre, c'est ça ma vie. Même si j'ai échoué mon cours d'économie.
J'ai quand même su faire des économies. Yeah. La tête dans les nuages, c'est pas la vie. Garder les pieds sur terre, c'est ça ma vie. Même si j'ai échoué mon cours d'économie, j'ai quand même su faire des économies. Reconnais les erreurs mais les pardonne pas. Accepte la faiblesse mais n'en parlons pas. Tempérament explosif, j'en Columbine. Exporteur de drogue, j'en Colombie. Ceux qui m'aiment me suivent, on follow me. C'est comme ça qu'on s'exprime en 2018. En 2019, on va voir ce qui suit. Bon retour, deuxième partie de l'émission. On a un deuxième grand frère parmi nous, Dice B, vétéran de la scène hip-hop montréalaise. Donc je sais qu'on n'a pas de bruit ici, donc on peut faire le ouh-ouh tout le temps. Je pense que je vais te le voler. Là. Ah, pas toi aussi. J'ai déjà beef avec Shotcut, là. Je m'en fous pas un autre, là. C'est bon. Là. Yes. Donc, toi, je sais, dis-moi si j'oublie quelque chose. Premièrement, tu es artiste. Yes, sir. Intervenant et yes, sir. Animateur de radio, bien sûr. Oui. Est-ce que j'oublie quelque chose ou ça couvre pas mal tout? Père de famille. Très famille, important. Ça, c'est ça... clair. Là. Ça, c'est ce qui prend tout ton temps. Yo, c'est la job ouais. La plus importante, en fait. Exactement, exactement. Puis, donc, je sais, moi, ça fait longtemps que je voulais t'avoir dans l'émission pour plein de raisons, mais tu sais, je voulais m'assurer que je sois prêt. Puis, tu sais, finalement, je me disais, OK, bon, ben, fuck that, là, ça va être maintenant, là. That's it. Mieux vaut tard que jamais, mon frère. Des fois, il faut se lancer. Yeah. Donc, je voulais commencer par parler de Basket Case. Word. Repose en c'est paix. C'est ça, man. Mm-hmm. Yeah, yeah. Mais oui, Mikey Stars. Mais j'aimerais ça que tu cites les différents membres du groupe qui avaient. Oh! Mais c'est un groupe dont tu faisais partie, tu. Non, en fait, non, je faisais pas partie de Basket Case. Moi, je faisais partie de Upstate. Upstate! Basket Case. Non, mais c'est correct. La confusion est logique parce que Mikey Stars, qui est parti de Basket Case, faisait partie de Upstate à la base. Ah, tu vois? Okay. Fait ça. Donc, sa sortie commercialiste, c'était avec Upstate. Après ça, il a formé son groupe à lui plus underground, ce qui voulait être un peu plus rough. Ça, c'était. Okay. Parce que nous, moi, j'ai toujours été dans des groupes. Quand j'étais dans mes groupes, qui cherchaient à expand, être plus grand que juste le street. Parce que le street, pour moi, c'est comme. Ce que je fais dans le corner, là. Ce que nous, on faisait, tu sais, à chaque fois qu'on se croisait quand vous étiez jeune, c'est au coin de la rue, on sort d'un show sur la rive sud, tu sais, dans les écoles. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Puis après ça, on est dans l'autobus, on est dans le coin. Cypher. Ça, c'est la rue. Mais là, une fois que tu es dans l'industrie, c'est plus la rue, là. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu veux faire des chansons qui vont essayer de rentrer à la radio, tu voulais aller à la musique plus. Là, tu essayais de. Tu vois? Donc, nous, c'était ça notre idée, Upstate. Puis après ça, lui, il s'est formaté à ça parce que Mikey Stars venait des États-Unis. Il avait grandi à Jersey, je pense, une affaire comme ça. Fait que tu sais, là, il est à Montréal, son haïtien, mais il est à Montréal. Fait que là, maintenant, bon, you know what I mean? Il sentait qu'il devait comme dumb down son américanisme. OK, yeah, yeah. C'est yeah. pas un mot. Yeah. Il sentait qu'il devait baisser ça pour s'acclimater au Québec, tu vois ce que je veux dire? Fait que dans notre groupe, on faisait des tunes, des tracks un peu plus acceptables. Disons, C'était clean. C'était clean. Okay. Puis là, lui, il avait son basket case sous côté pour être plus hardcore, tu vois. OK. Puis les autres gars de Upstate sont arrêtés de rapper, puis ça. Ben écoute, déjà, Mikey Stars est décédé, repose en paix. Un autre membre du groupe qui s'appelle Rudy, aussi aux dernières nouvelles, est décédé. Oh, tu comprends, je veux dire, voici ça. Et on en a perdu pas mal. Puis après ça, t'as mon gars Cruel Snapper Dub,
son nom, Cruel Slap the Dub. lui, il est un gars d'Haïti maintenant, il est plus là-dedans, aux dernières nouvelles aussi. Puis, notre producer qui, lui, est un gros beatmaker, mais lui aimait, il touchait à tout, il faisait de la dance music, il a travaillé pour Yakike, c'est pump the jam, pump it up. Yo, il a travaillé. C'est pas Technotronic, Technotronic, hein? Ouais, mais la rappeuse s'appelait Yakike. Ok. Tu vois? Fait qu'il a fait de l'album, il a fait des tracks pour elle. Okay. Moi, j'ai travaillé avec lui là-dessus, derrière écrire. Tu sais, on touchait un peu à tout, là. Il a envie. Yeah. Mais ça, son truc, c'était Black Light Music. Ok. Et là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, j'ai pas de nouvelles de lui. D'ailleurs, okay. What up, my man, si jamais tu vois ça. Voilà, fait que c'est ça, man. C'est ça, l'histoire de Upstate. Yeah. Puis je disais tantôt que c'était le 19e épisode seulement de Hit Story. Donc, puis que moi, tu sais, je sors de ma zone de confort en faisant ça. Je ne suis pas à la base un animateur, tu sais très bien. Mais je me demandais. Mais tu parles très bien, donc. J'essaie. Un bon vocabulaire. J'essaie. Je fais des efforts. Mais je me posais la question, man. Avec Nuit Blanche qui existe depuis un bon nombre d'années, c'est à partir de quand que tu arrêtes de compter les épisodes? Mais sais-tu quoi? Hein, c'est une bonne question en fait. C'est une très bonne question. T'arrêtes de compter les épisodes quand c'est plus un problème. Quand c'est plus. Quand tu n'as plus à y penser. C'est quand tu le fais, that's it. Exact. C'est parce que tant aussi longtemps que tu réfléchis à yo, la prochaine émission, ça va être quoi? Comment je vais faire? Puis tu regardes encore la mécanique de la chose, tu comptes les épisodes. Mais à un moment donné, quand t'es comme oh yo, c'est l'émission, ok, on y va. Là, tu comptes plus, bro. Ah, yeah. Moi, c'est encore tête chargée, là. C'est comme normal. Il y a... normal. Ah, yo, okay. Dans le temps, dans les débuts de Nuit Blanche, c'était comme ça, là, quand je venais juste faire mes chroniques de Rebelles de Dice B. Moi, j'arrivais là, bro, avec une idée en tête. Parce que moi, tu sais, moi, je suis comme ça, je freestyle. J'écris rien. Je vais comme ça aller. Fait que là, il m'arrivait quelque chose, une situation dans la semaine ou dans la journée, puis j'allais là comme ça. À chaud, comme on dit, ou à froid. En tout cas, j'arrive comme ça, puis let's go. Mais tu sais, c'est toujours comme anxieux, excité, c'est toujours comme, you know what I mean? Mais après un certain temps, c'est devenu comme, ah, yo. Ouais, mais tu sais, tu le fais. Ça fait partie, tu sais, de ta routine, puis tout ça, mais tu sais, je le vois quand même dans les émissions que tu fais, tu sais, comme, tu sais, t'as toujours le love pour la musique. Définitivement. T'as le love aussi pour découvrir des artistes, leur poser des questions, tout ça. Des fois, je suis sûr que t'en reçois que, tu sais, c'est ça, t'as pas nécessairement... Yo! C'est normal. Non, mais en général, parce que je suis pas obligé, donc en général, je les reçois parce que je veux bien les avoir, en général. En général, je reçois... Il y en a que je reçois, je connais pas, je reçois parce qu'il y a quelque chose qui se passe puis je devrais en parler. Parce que des fois, tu sais, je suis dans ma bulle, right? C'est moi qui fais mon truc, il n'y a personne qui me supervise. Surtout en ce moment, je suis absolument tout seul. Donc, il n'y a personne qui me dit rien. Le feedback, je le reçois, mais tu sais, vraiment décalage, c'est ce que je veux dire. Bien que maintenant, c'est un peu plus rapide parce qu'on utilise Internet et ça aide. Mais quand même, tu sais, donc le feedback, je le reçois seulement après. Fait que des fois, je suis dans ma bulle. Fait, c'est quand on me dit, oh yo, il y a ça, puis tu sais, il faudrait. Là, je suis comme, ah ouais, ok, bon, ouais, bon. Une demande, je vais le faire, mais moi, je suis comme, yo. Des fois, là, je vais donner deux petites affaires. À un moment donné, il y avait comme un gros conflit à la radio. Tu sais, la radio, c'est communautaire, problème COB, toujours des problèmes d'argent. Mm-hmm. Puis à un moment donné, c'est comme, yo, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, tu sais quoi, je pense que je vais arrêter de faire la radio quand la radio n'existera plus. C'est la seule façon que je vais arrêter d'y aller. Pour que j'aille plus à la radio tous les lundis, il va falloir que la radio ferme parce que je suis pris dedans. Donc, ça, il y a ça. Puis, l'autre anecdote, c'est des fois, il y a des rappeurs qui viennent. Puis, moi, j'ai ma perception d'eux basée sur le fait que je ne suis pas dans leur monde. Ça aussi, c'est dangereux. C'est un couteau à double tranchant, tu vois. Mm-hmm. Parce que je ne suis pas ce que tu fais en général. Ton buzz, le nombre de personnes. Comment je dis, ton affiliation de gang, tu sais, il y a des détails que des fois, je n'ai pas, ce qui peut être dangereux. Ouais, c'est pour ça que là, tu sais, étant donné que je suis intervenant jeunesse, je sais naviguer ces eaux, puis tu sais, on vient de la rue aussi, là, fait que je sais naviguer ces eaux, mais des fois, les dudes n'ont pas l'air de tout ça, là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends, ouais, c'est ça. Fait que des fois, moi, je suis comme, yo,
C'est sûr, man. You're talking a lot of shit, my G. Puis des fois, quelques reprises, ça m'est arrivé, mais des fois, c'est mes jeunes sont comme, yo, un tel t'a mal l'émission, c'est un tel, il a fait ci. I'm like, word? Je parlais comme ça. Ouais, c'est ça. Oh, il dit, yo, lui, comme ça, dernièrement, j'ai un invité, je le dis, c'est mon gars, anyway, Mike Zop, qui est venu à l'émission il y a quelques temps. Puis lui, il est entouré, tu vois. Les gars étaient posés, les gars étaient drunk, les gars étaient dans leur vibe, les gars étaient posés, on riait. Puis moi, je connaissais Mike Zop, j'avais déjà regardé, j'aimais bien ce qu'il faisait. Puis, fait que lui, je voulais l'inviter, tu vois. Viens, parce que tu sais, je trouvais que c'était comme un retour au street rap, comme je disais, qui avait comme sensiblement, il était sensiblement mort depuis un petit moment, je trouvais, là, tout le monde faisait un peu trop de la Zumba, là, ou faisait du la nouvelle version de rap rigodon, là. Donc, tu sais, rap guitare a transformé, mais les gars qui le font restent les mêmes. En tout cas, donc, lui, c'est comme un retour, je trouvais, au street rap. Je suis comme, OK. Puis là, il est venu avec un baguette de gars. Puis tu sais, les gars sont... Tu sais, c'est comme, tu regardes maintenant, là, les thugs aux États-Unis, les Crips, les à New York, admettons. C'est les Bloods, les Crips. Les gars, pantalons serrés, petit maillot serré, collé sous corps. Tu vois, je veux dire, c'est comme... Les gars sont métrosexuels. Je pense pas, là, que ces gars-là, c'est des tueurs, là. Lui, il vient avec des gars, tu sais, posés comme ça, relax. Les gars qui ont une fille jeune, tu sais. Puis là, moi, quand je suis avec des thugs, j'aime rire, j'aime les niaiser un peu, tu sais, pour détendre l'atmosphère. Je veux pas qu'on rentre dans le... Oh! Puis là, ça devient une affaire de gangster entrevue, là. Tu sais, je veux dire... Fait que, tu sais, je vais moquer des gens, je vais dire, OK, c'est toujours dans le respect, mais tu sais, je vais faire des blagues. Fait que moi, je grille mes dents, puis je niaise, puis je dis, toi, qu'est-ce que t'as pas l'air là, t'es gone, là, oh, là, les gars, ils rient, tu sais, on s'amuse. Ah. Yo, après ça, mon gars, fam, il me dit, yo, tu sais qui t'avait en studio? Je dis, ouais, ben, Mike Zop, ouais, Mike Zop, définitivement, boum, boum, boum. Mais yo, lui, yo, les gars, on est pas des gomarettes. Lui, je suis comme, shit. Ce petit bonhomme-là, je l'aurais vu dans la rue, je l'aurais foutu de droit calotte, là, c'est mien, c'est quoi, je pensais que c'était... Mais yo, gros... Yo, man, de nos jours, là, you never know anymore, bro. C'est clair, ça, j'ai compris ça aussi, man. Définitivement, là, on peut plus se fier aux apparences du tout maintenant, man. Yo, you never know. Yes. Yo, on va aller en bloc vidéo pendant un petit 2 minutes, puis on revient après, on va poursuivre la discussion. Yes, sir. A nigga like me, man, I love the game. I love the hustle, man. I love the hustle, man. I love the hustle, man. There's no love. 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 Chez moi, c'est qu'une jambe, ça coûtera. Let's get it. Peux faire ça à l'amiable ou comme tu voudras. Let's get it. Sauf que moi, j'ai pas juste du love comme Loussa. Nah. Let's get it. J'ai ce pain dans mon cœur, mon gars, je vois tout noir. Let's get it. Marcher seul dans l'enfer et c'est long couloir. Let's get it. Viens me dire comment faire, mon gars, qui osera. Soit mon pied ou mon poing sur ta gueule, on posera. There's no love. Y'a pas de love pour la game, pour le rap, j'ai pas de love. No love. Need love pour les rues, dans la rue, y'a pas de love. No love. La vision, pas de love, donc nous, y'a pas de love. No love. Dans le monde, y'a pas de love, donc fuck là, le love. No love. Faut pas reste, oublie ça comme ça, t'es malade. Dans mon âme, dans mon chest, dans mon cœur, j'ai malade. Aujourd'hui, être snitch, c'est rendu à la mode. Les gars, ils sautent au snitch. Let's get it. Mon gars, dans mon temps, loyauté à la mort. No love. Let's get it. D'autant plus, j'aime pas trop comment qu'ils agissent. Nah, nah. Let's get it. Rendu là, à cet âge-là, faut qu'ils s'agissent. Ouais, yeah. Let's get it. J'suis au centre, tout ça, entouré de saltimbanques. Let's get it. Puis pourquoi ils vous mentent, pourquoi qu'ils s'inventent? No love. Y'a pas de love pour la game, pour le rap, j'ai pas de love. No love. Need love pour les rues, dans la rue, y'a pas de love. No love. La vision, pas de love, donc nous, y'a pas de love. No love. Dans le monde,
Donc, je voulais parler aussi de ton single qui sort, je pense, le 21 août. Yes, sir. Canada Drill, hein? Oui, Canada Drill. Nice. Écoute, c'est parce que toi, le dernier single que j'ai eu de l'autre projet qui s'appelle Le Saut de l'Ange, c'était Trappe de merde. Yep. Parce que je voulais essayer la trappe. Yeah. Là, le wave en ce moment, c'est le drill. C'est clair. Fait que je vais essayer le drill. Yeah. Mais la différence en puis tu sais, j'avais déjà essayé une mixtape qui s'appelait Shroomba, parce qu'ici au Québec, il y avait un petit mouvement Shroomba. Dommage que ça n'a pas tenu, parce que ça aurait peut-être notre son, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, je veux essayer les waves, je veux essayer leur style, tout en restant moi-même. Tu sais, la drill, le problème de la drill, c'est que c'est de la musique de meurtrier, bro. Les gars sont dans une autre zone, là. Yeah. Tu sais, les gars sont... Tu sais, je dis ça à mes jeunes. Le problème avec le rap en général en ce moment, la trap et tout ça en ce moment, c'est que c'est une rap de menace. Les gars te menacent. Tu payes ton code, ça va sur stage, tu regardes le gars, tu dis « Je vais te tuer! Je vais prendre ta femme! Je vais prendre ton argent! » C'est ce que je veux dire. « Je vais te choper un morceau, je vais te mettre dans mon trunk. » Puis là, t'es là comme ça, puis j'ai payé pour voir ça, bro. J'ai payé pour voir un gars dire qu'il va me tuer, puis il va violer ma femme. What the fuck? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le problème. J'ai trouvé en général avec le mouvement. Puis là, maintenant, le drill, yo, eux, c'est pire. Eux sont comme, tu vois, toi, là, un tel, on a tué ton frère, maintenant c'est toi, un ex. Comme, yo, comme de fait, les gars, ils mordent pour de vrai, bro. Les gars sont dans une autre zone, là. Mm-hmm. Ils sont dans une autre zone. J'en ai parlé à la radio lundi, mais tu sais qu'au UK, parce que tu vois, bon, là, je dérive un peu, mais tu sais, j'aime parler. Tu sais, ma femme parle de Chicago. Boum, OK. Chicago a une façon de faire avec les Chief Keef et tout ça, boum, boum, boum. Les gars du UK prend le truc, le change un petit peu pour ajouter une saveur dans l'instrumental qui fait un nouveau... Tu sais, ils ont rajouté le « la bass bizarre » qu'ils font, qui donne un vibe. Puis ils ont rajouté ça. Mais eux, étant donné que dans leur culture, un peu comme ici, ils peuvent pas, ils sont pas aussi à l'aise avec les armes. Guns et tout ça, ils ont pas... Ils ont une autre loi qui empêche cette chose-là. Tu sais, aux États-Unis, ça fait partie de la Constitution. Tu as le droit d'avoir un arme. Au-delà de t'as le droit, tu devrais... Tu devrais avoir une arme, tu devrais t'armer. C'est comme si tu étais anti-américain de ne pas être armé, en fait. Donc, c'est une autre mentalité complètement. Mais eux, là, ils n'ont pas le droit. Mais qu'est-ce qu'ils font? Les gars sont là avec manchette, couteau et acide, bro. Les gars attaquent les gens à coups de liquide acide, bro. Yo, ça, c'est une autre sauvagerie. Yo! C'est un autre niveau, même. Yo, c'est une autre. Yo, ils sont ailleurs, bro. Fait que donc, ces gars-là, ils sont là avec leurs couteaux. Là, ils mettent des cagoules pour justement, parce que yo, ils parlent tellement des hops, ils parlent tellement de leur ennemi, ils parlent tellement qu'ils ont brûlé le doute. Les gars ont des masques. Ah, fait qu'ils ont muté l'affaire d'une autre manière. Et là, les gars de New York, ils l'ont repris et l'ont ramené à New York. Mais ce qui est dope avec New York, c'est qu'eux, ils l'ont adapté comme 50 l'aurait fait. Genre, ils restent à parler de femmes, guns. Je comprends. De money. Donc, c'est plus l'instrumental, le vibe qui est gardé, les flows et tout ça. Mais le reste c'est l'acide et tout ça. Et toi. Yo, acide, bro! That's fucked up, man. Eh oui, mais c'est fou, là. Yo, quand j'ai entendu ça, au début, je pensais que c'était une joke, jusqu'à ce que je vois la série Top Boy, justement, là. Yo, cette série-là est dope. Si vous l'avez jamais vue sur Netflix, vraiment dope. Yo, puis vraiment, man, c'est un arme normale, là. That's what they do. Les gars, on voit l'acide dans ta face, bro. C'est fou, man. Mais tu sais, c'est quand même un style de musique. J'aime bien ces titres-là, man. J'adore ça. Puis nous-mêmes aussi, comme il y a un single qu'on va sortir bientôt, Rain Man, qui est sur un beat, un instru drill aussi. Shout-out à Warren, justement, qui a fait ça. Ah, c'est Warren qui l'a fait? Oh, ouais, Warren qui l'a fait. Tout ça sur sa compil qui va sortir bientôt, man. Mm-hmm. Mais... C'est ça, tu sais, la musique change, il y a plein de nouveaux styles de beat, puis on reste actuel, on continue à le faire, on essaye des nouvelles choses. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux modes de faire de la musique maintenant, comme, par exemple, tu sais, avec It Story, c'est ce que je considère comme un nouveau mode de faire de la musique. Tu sais, on essaye quelque part de faire quelque chose de nouveau, faire participer les gens, tu sais, t'as les médias sociaux aussi. Puis, quelque part, il y a toujours la vision ou l'espoir, quelque part, de révolutionner l'industrie de la musique. Je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de ces nouveaux modes-là, parce qu'il y a deux façons de voir ça. Tu sais, tu as toujours les gens qui sont un peu plus conservateurs,
Puis t'as des gens qui sont plus du mode, on va essayer, comme, tu sais, plus libre. Yo, voilà. Honnêtement, bro, je vais du côté de on doit essayer, parce que je pense que, tu sais, mes jeunes te le diront, les jeunes se moquaient tout le temps de moi face à mon téléphone. Tu sais comment ils sont? C'est quoi ce vieux téléphone que t'as dans la... C'est un Blackberry ou... Non, maintenant, c'est bon, j'ai l'iPhone 11. Ouais. Mais avant, au début, quand je suis au travail, c'est toujours en retard, parce que moi, je suis en retard sur ces affaires-là. Il a envie, moi, yeah. Comme le téléphone, c'est pour appeler. Qu'est-ce que t'as? Ah, yo! Yeah. Bah, bah, bah. Je suis en retard. Yo, Vane va te dire, les CD, bro. Mais toi-même, vous-même, tout le monde me disait, yo, arrête de nous demander d'amener des CD. On ne sait pas où les graver, tes putains de CD. Je suis super slow face à ça. Mais pas parce que je suis slow, veut dire que je suis contre. Tu comprends ce que je te disais? Je suis pas contre, parce que de toute façon, ça sert à quoi d'être contre? Moi, j'ai appris, là, quand ils ont décidé que la télévision, que le gros derrière n'existerait plus. Quand ils ont dit, les antennes, c'est mort, c'est encore ça, t'as pas de câble. Ok, j'ai compris. T'as pas le choix, des gros. T'as ou meurs. Mais tu sais, moi aussi, des fois, j'aime ça être le dernier des Mohicans, là, le dernier survivant, là. Tu sais, le Blackberry, j'ai gardé longtemps, même. Vraiment, là, j'étais déterminé. Moi aussi, j'avais gardé mes vieux téléphones longtemps, j'avais le flip. Je venais d'avoir mon flip, j'étais heureux, j'ai finalement un flip. Les gens disent comme, yo, le flip, c'est bon, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, yo! Fait que, tu sais, mais pour revenir à ta question, on n'a pas le choix de trouver des nouvelles façons d'avancer, puis de promouvoir notre musique. Puis aussi, l'autre aspect de la chose, c'est que surtout nous, on n'a pas le choix là, d'embarquer dans ces affaires-là. Si on ne veut pas être dépassé, déclassé, on ne veut pas être oublié, si on ne veut pas être mis dans la maison des vieux, là. C'est HSLD. Si on ne veut pas être mis dans ça, musicalement parlant, avant physique, on n'a pas le choix là, de s'adapter puis de trouver une solution. Puis ensuite, l'autre affaire aussi, c'est que si nous, on ne montre pas l'exemple, l'histoire va se répéter. Et les mêmes erreurs que nos jeunes, ou nous, on a fait en tant que jeunes, parce que on en a fait des erreurs normales, parce qu'il n'y avait personne pour nous l'enseigner, mais on a fait des erreurs. Puis là, quoi, on va laisser les enfants faire les mêmes erreurs encore et encore et encore et encore. Mais non, je veux dire, à un moment donné, man, il faut qu'on soit capable de passer le message. Les autres le font, là, tout le monde est là. Tout le monde a un mentor qu'ils peuvent trouver quelque part. Cherche un mentor dans n'importe quelle industrie, tu vas finir par trouver. Sauf dans le rap, bro. Où tu vas trouver un mentor. Mais tu sais, comme moi, je te considère comme un mentor, là, big time. Là, t'es en quelque sorte, tu sais, les entrevues qu'on fait à Nuit Blanche, tu sais, c'est des discussions, tu nous interviews, mais moi, je le vois comme un coaching, là, big time, là. Mais excuse-moi de t'interrompre, mon frère. C'est parce qu'on a une relation. Il y a un respect qui a été établi depuis les années. Et là est la grosse différence. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, un mentor, tu n'es pas obligé de l'avoir connu depuis que tu es petit, là. Un mentor, de supposer voir quelqu'un qui a établi quelque chose, puis tu dis, oh, il faut que j'apprenne de cette personne-là. C'est tout. Nous, tu sais, notre conversation qu'on a, même genre de conversation que je pourrais avoir comment je t'appelle maintenant? Parce que moi, c'est Black Voodoo, yo. Yeah, man, Voodoo, man, Ensley. Bon, c'est Ensley ou Voodoo? Qu'est-ce que je dis? Ben, tu peux dire Voodoo, mais appelle-moi Black. Tout le monde me dit Black maintenant. Black, encore mieux. Plus facile à retenir. Donc, mon gars, Black, la relation qu'on a, c'est une relation de longue date, relation de gens qu'on a grandi ensemble, de guerriers dans le truc. Nos conversations ne pourront jamais être les mêmes qu'un petit jeune qui rentre, qui pense qu'il sait tout, ou qui ne sait rien, qui est conscient qu'il ne sait rien, mais il ne pense pas que tu sais plus. C'est tu vois ce que je vais te dire? Ce ne sera jamais la même chose, parce que ce que je vais lui dire, tout ce que je vais te dire, Black, tu vas le baser sur « Ah oui, Dice a vécu ça quand même. » Tu vas le baser sur mon historique que tu connais. Ce que tu vas me dire, je vais le baser sur l'historique que tu connais. Par exemple, si on va parler de hockey, ben, tu vas me dire si, puis ça, je vais le baser sur, je vais dire, oh, il connaît son hockey. Right. Par exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose pour toi. Et toi, c'est comme, je sais que si je vais parler technologie, je vais parler,
je sais à qui je pourrais te parler de ça, puis on en parler. Puis tout ce que tu vas me dire, je vais le prendre en considération parce que je connais ton historique. Mais les jeunes n'ont pas cette compréhension-là de la game, tu vois. Ouais. Puis la vérité, c'est que je parle des jeunes, mais ça a toujours été comme ça, là. Ça a toujours été comme ça. Yo, moi, ça fait tout ce temps-là que je suis à la radio, puis tu sais, tu viens de le dire, nos conversations, mais j'ai toujours eu la conversation de « Yo, moi, je suis rendu là, puis je me rends compte que si, puis ça, puis on échange, on build. Mm-hmm. » Parce que j'ai la science infuse, obviously, mais on build pour la nouvelle information que j'ai eue, je le partage. Mm-hmm. Vu qu'on se connaît depuis que vous êtes jeune, tu as pris l'information. Que tu aies travaillé avec ou pas, au moins, tu l'as pris. Il y a d'autres jeunes, j'ai dit la même chose. Parce que moi, j'ai toujours été un livre ouvert. Les gens m'appellent, me disent « Yo, connais-tu un tel ?» J'ai jamais été du genre à dire « Non. » Puis pourtant, je connais. Jamais été ça. Il y a plein de monde qui sont comme ça. Moi, je suis comme « Yeah, je connais. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Boum, boum, boum. Tu veux son numéro ? Boum !» Ou j'appelle le gars, je dis « Yo, il veut son... » Tu sais, je fais... J'ai pas de problème avec ça. Jamais. Tu vois ? Fait que je divulgue l'information dès que je l'ai. Mais c'est pas tout le monde qui l'accepte. Non. Pas tout le monde qui le prend. Il y en a même qui n'aiment pas que tu le donnes. Il y en a même qui sont fâchés. Ouais, non, ça, je sais exactement de quoi et même de qui tu parles. Mais attends, on va pas rentrer là-dedans. Yeah. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, mais... Non! Je voudrais écouter Dice toute la soirée, mais de belles paroles. Mais écoute, c'est vraiment inspirant ce que tu dis, Dice. Mais oui. Comme je te disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu, au secondaire, Henri Bourassa, je me souviens, le gars qui était sur la scène avec une boucle d'oreille dans le nez, dans les oreilles, les dreads... Je dis, shit, ce gars-là est inspirant, il est bon, c'est un entertainer, les rhymes étaient là. Shit, c'est un vrai grand frère. Mon gars, c'était tellement le bon temps, man. Yo, c'est dommage que, yo, on a vécu le temps qu'on filmait rien, bro. Tu sais, là, c'est les grosses flipping caméras. Tu sais, puis, yo, c'est dommage, parce qu'il y a eu des tellement belles performances. Puis tout le monde était tellement original, tout le monde était tellement dedans, tout le monde était tellement motivant et inspirant. Tout le monde, là, c'est comme, tu vas toujours trouver quelque chose de cool ou d'intéressant dans quelqu'un, même ceux qui étaient whack. Tu vois, parce que même s'ils étaient whack, ils étaient quand même motivés, fait qu'ils étaient quand même meilleurs que ce qu'on a maintenant dans certains cas. Mais ce qu'on va, je veux dire, parce que les gars, ils cherchaient être original. Yo, tu pouvais pas trouver deux groupes pareils, là. Dès que t'en voyais un qui ressemblait à un autre, t'es comme, yo, check-les, lui, il bite. Tu vois, je veux dire? Tout le monde était comme, yo, moi je m'inspire de ça, je vais faire ça. Moi, je m'inspire de lui, je vais faire ça. C'est lui, en parlant des Américains ou des Français ou peu importe, j'inspire, mais je vais être moi parce que je ne peux pas copier. Tu te rappelles comment... je sais qu'on doit partir, là, mais yo, j'aime parler. Tu te rappelles comment De Face et Son Crew, comment vous appelez les autres, là? Non, la Constellation. Constellation. Ouais. Constellation. Je me rappelle comment les gens, même pas nous, les gens leur rentraient dedans. Oh, c'est des Québécois, puis ils parlent français comme s'ils venaient de la France, blablabla. Yo, les gars, c'était fait. C'est pour ça qu'ils sont devenus 8-3, puis ils ont mis à parler super joual, puis c'était fini, là. Au début, c'était un bon français. C'est vrai. Yo, puis c'était nice, là. Ils étaient nice. Moi, je les trouvais super bons. Tu comprends? Mais... À Québec, ils sont fait tellement rentrer dedans pour ça qu'ils ont drop le groupe écrasé, mais les deux MC sont restés, puis ils ont formé un autre truc, puis là c'est Joal, ma Flori et ma Blood. What the hell happened? Anyway, il faut qu'on parle de la chute avant qu'on parle. Donc, ça s'appelle Canada Drill. C'est un beat très drill. Produit par un jeune beatmaker je pense, des États-Unis. Il m'a contacté, on a échangé. C'était pas quelqu'un d'ici que j'ai trouvé. On a échangé, il m'a envoyé des beats, puis je dis, ça c'est dope. Fait que, puis, comme je te dis, c'est dans l'influence de la drill. Je trouvais que, à ce moment-là, quand j'ai reçu le beat, j'ai checké un peu c'est quoi, quel style que c'était. Je dis, OK, yeah, I could do that. Puis, je voyais qu'il n'y avait pas encore beaucoup de monde qui le faisait, ça semblait être nouveau. C'est pour ça que je disais, OK. Puis quand j'ai trouvé le nom, je pensais à un nom de Canada Drill. Canada Drill. That's so cool. The name is so original. Yeah. C'est comme, you know what I mean? C'est comme, c'est tombé du ciel, là. Fait que voilà. Yeah. Je pensais être le producteur, mais je me rends compte que non, il y en a d'autres qui le font. Yeah. Mais on va checker ça définitivement. Donc, le 21 août, ça sort le single avec vidéoclip ou juste audio? Vidéoclip s'en vient. C'est audio. Le vidéoclip, on travaille pour tourner ça là bientôt, là. C'est que la COVID, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais oui, le clip vidéo va venir. Puis là aussi, ça a tout un revamp
de ce que fait Dice B. D'ailleurs, en primeur, je te dis, je vais me créer un alter ego. Oh! Yeah. Ouais. Pas le Youngin. T'es sérieux? Je voulais, mais le nom est déjà pris. Yeah, mais c'est nice. J'ai vu ça. The Youngin, sérieux? Oui, ah, mon gars, qui est en feu. Mais yeah. Non, c'est Dice Low. Yeah. Oh, yeah, Dice Low. Yeah. You know how we go. Nice. Là, faut juste que je figure quel genre de musique que Dice Low va faire. Je vais leur faire juste du straight up boom bap seulement là, parce que je vois pas comment je fais Dice Low et faire la drill. That's so cool. On va checker ça définitivement, mon gars. On va regarder ça. Je vais me rappeler. Donc, tout le monde qui regarde, rappelez-vous, est-ce que vous avez entendu ça? Dice Low, Dice nouveau Low. Branding. Yeah, man. Yeah. Exact. Ben, les gars, thanks, man. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ce bon moment-là. Puis, c'est ça, on va refaire ça. Je suis content de voir. On vous parlait d'anecdotes de way back et puis de voir tout ce qui a été bâti entre-temps. C'est bien, là. Écoute, il faut qu'on fasse, à un moment donné, il faudrait qu'on fasse ce genre de choses-là, mais pour vraiment parler des vieilles histoires, les old school. Tu sais, parce que drink champ, là, sans l'alcool et tout ça. Parce qu'après quelques verres, les gars, ils dérapent, bro, mais bon. tu sais, pour yo, parce que, comme je disais tantôt, vu qu'on filmait rien vraiment, pas assez en tout cas, c'est pas documenté. Puis ils sont vite à essayer de nous effacer de l'histoire, you know what I mean? J'entends des gens dire « Oh, le rap est bon maintenant, là, à la radio, là. » J'ai oublié, écoute, c'est fou, là. En 1990, là, t'étais là, Dice, là, comment... Il y avait, le mouvement était là, là. Il y avait des gars qui avaient de potentiel. Comme tu dis, on n'a tellement pas eu le réflexe d'enregistrer, puis de garder, puis de faire de la documentation là-dessus. On a perdu beaucoup de beau matériel. Énormément. Puis c'est ça, je te dis. Fait que là, eux, c'est facile pour eux d'essayer de dire « Oh, avant, tel, il y avait... » Ouais, de quoi tu parles, yo? Donc, je veux dire, c'est facile. Yeah. Pourtant, même les artistes, ils n'avaient de tout genre, puis c'était tout dope en général. Donc, je veux dire, anglais comme français. T'sais, français, on marque un peu plus tard, mais anglais et tout. Yo, oublie, là. Yeah, sure. Yeah. En tout cas, je vais aller faire mes recherches, je vais aller checker qu'est-ce qui se passait dans le rap, justement, de Voodoo X, puis aussi de Upstate. Je vais checker, là, sur YouTube, là. Yo, faut que tu checkes. Si vous avez la chance d'aller voir un gars sur Facebook qui s'appelle Capo à la mort, je ne sais pas si ça te dit quelque chose d'ailleurs. Ben oui, j'ai travaillé sur le livre. Bien, mais oui. Ouais. J'ai travaillé sur le livre de Capo à la mort, le boss. Ah, t'es sérieux? Oh, oui, il y a des photos là-dedans, c'est les miens. Oh. Ouais. T'es pas sérieux? Ouais. Yo, il a travaillé 6 ans sur ce livre-là, bro. Yeah. 6 ans. Excellent, mais je suis content, ça fait partie de l'histoire, ça, man. Ça fait partie de l'histoire. Tout à fait. Et que ce soit le seul à le faire, tu sais, bon, il faut d'ailleurs être capable de faire ce genre de truc, on est d'accord. Mais tu sais que quand tu cherches, regarde, tu vois sur YouTube maintenant, tu cherches, tu as 514-450, tu as la ruelle, je ne sais pas trop. Il y en a quelques-unes. Tu en as 3-4 seulement. Puis c'est juste des entrevues rapides avec des artistes, mais c'est pas, tu vois, je veux dire, mais c'est tout ce que tu as sur une histoire aussi. Et on a une longue histoire là quand même, là. Tu sais, c'est au moins un minimum de 30 ans, là. Ouais, c'est vrai. Minimum. 30 ans d'activité, man. Puis t'as rien, là. T'as des petits extraits, comme je te dis, des petits. Je te pointe dans le coin de la rue. Hé, hey, Voodoo, comment t'as aimé ton show? Yeah, c'était bon, merci. Bah, c'est tout. C'est fou. C'est messed up, bro. Yeah. Mais je vais checker vraiment Capo, man. Merci du rappel, là. Vraiment, son livre est un incontournable, là, sur la documentation. Gros travail de recherche, comme. C'est nice, ça. Tout à fait. Je vais faire un gros shout-out à mon gars, parce que j'y pense, Nasbrock, qui disait « Ouais, le livre est bon, mais il parle pas des beatmakers. Il parle pas des DJ. » T'as raison, mais yo, à un moment donné, man, il parle pas des breakers non plus. C'est comme, à un moment donné, le pauvre. Mais il a fait du beau travail, man. OK, bon, ben les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Puis je sais pas si Couchetard vont laguer un dernier vidéo avant... la fin, mais sinon, on se revoit la semaine prochaine définitivement, puis nous, on reste en contact. Oui, s'il te plaît. Yeah. Keep it up, my friend. Yo, quand t'es prêt à drop ton drill, il faut que tu me dises, man. I want to hear that. Envoie-le-moi, en fait. Oublie, va sur ça. Envoie-le-moi, je vais l'entendre live. OK, définitivement. All right.
Pour nous, la musique, quand elle survient, quand elle fait de la musique, on a besoin des audios. Mon gars, j'ai pas le temps, mais même si je voudrais, là, je préfère écouter des tracks de toi ou bien de Yuri, parce que le gars commence à être trop vieux, man. J'ai plus les skills. Yo, on est, yo, c'est pas vrai, t'as pas écouté les jeunes, toi.